Salut toi! Et ben, on est reparti, même s'il n'y a personne sur le live pour l'instant. Enfin, si, il y a un. On avait fini avec autant aussi peu de points de vie. Salut! Ok, alors où est-ce qu'on en était? Alors j'ai pas mal de diamants. En vrai, l'idéal ce serait que je fasse une petite ferme à canne à sucre histoire de pouvoir récupérer un max de canne à sucre. C'est pas avec un qu'on va aller bien loin. Oh. Les soleils givrants, c'est génial, ça me bloque l'eau. Bon, alors ça va être la ferme à canne à sucre du bled, hein. Mais tant pis, pour l'instant on va faire avec ça. On améliorera ça dans le futur. Et le futur, ce n'est pas aujourd'hui. Yo Yann Royani. Salut Aaron. Comment ça va? Ça va, ça va. Eh ben c'est super. Alors on va se retrouver aujourd'hui, hein. On espère ne pas mourir comme la dernière fois. Yo Adi. Ça va, écoute, on reprend la survie, on espère ne pas mourir. Bonjour Nonoob. On espère essayer de survivre plus que 5 minutes, contrairement à l'épisode de la semaine dernière. Là, on est à la recherche de pommes, étant donné que j'ai que 2 coeurs et demi, ce serait bien de récupérer quelques PV quand même, sinon. Est-ce que vous m'entendez pas bien? Yo Kirby. Ouais, je vais essayer. Normalement, ça devrait un peu mieux se passer que la dernière fois. Ah, normalement. Après, rien n'est prévisible. Peut-être, Nounou, monte ton son, t'entendras mieux. Il est à fond. Ah bah écoute, hein, faut changer d'enceinte. Ah, j'ai oublié un petit point essentiel. Voilà, c'est bon. J'ai mis la musique. Bon, du coup, objectif, ne pas mourir et trouver un maximum de pommes pour l'instant. Histoire de pouvoir régénérer un peu quelques PV. En fait, t'as pas t'attendu. Ouais, bah c'est de la triche, hein. Vaut mieux essayer de faire un MLG, je me sentirais plus legit que relancer le jeu. Bon, on a déjà 3 pommes, en vrai, c'est plutôt un bon début. Il me semble qu'on avait récolté pas mal d'or, donc on va profiter de cet or pour essayer de régénérer quelques PV. Les pommes, c'est la vie. Ah bah là, sur cette partie, oui, exactement.
Pas de pomme égale la mort. En vrai, je me dis, ce qui serait intéressant, ce serait de faire un portail du Nether. Ah ouais, c'était ça. Et je cherchais un lac de lave, histoire de pouvoir récupérer de l'obsidienne. Ah bah c'est gentil, merci. Après, comme j'ai déjà dit, TikTok, c'est pas moi qui gère. Mais c'est gentil. Ah, je te l'avais dit, hein. Essaye d'aller tuer les moutons pour avoir un... j'ai déjà fait un lit. Et de toute façon, en vrai, le lit, c'est pas spécialement utile. Mais j'ai déjà fait un lit, c'est surtout pour éviter les fantômes, parce que c'est horrible. Deux spectateurs. Ouais, franchement, vous êtes super cool, les gars. Merci. T'as bien avancé. Bon, très légèrement, franchement. Disons que j'aurais pu faire mieux. Il me semble que c'est F1 Pastèque qui gère. Ouais, c'est ça, exactement. C'est lui qui les fait. Et... il a accès à mes vidéos et il peut les faire du coup. Bon, récupérer de la canne à sucre. Trouver un lac de lave. Ce serait plutôt pas mal. On va peut-être tuer les vaches aussi pour récupérer du cuivre. L'idéal, ce serait d'essayer de me faire des bottes qui puissent me permettre de résister à des dégâts de chute. Parce que si je meurs, bah je dois tout recommencer encore. L'idéal, ce serait quand même essayer de tuer le dragon au moins. À partir du moment où j'aurais tué le dragon, j'aurais estimé d'avoir à peu près fini le jeu. Même si après, j'ai quand même encore le Wither à battre, mais ce sera dans un second temps, on va dire. Ah, les algues. L'œil de lave de base, les gens s'en foutent. Bah non, les lacs de lave, en vrai, on s'en fout pas. Bon, après, on en trouve partout. Moi, comme de par hasard, j'en trouve pas. Attendez, il y en avait dans les cavernes que j'avais trouvé ou pas? Il me semble pas. Hein. Bon, au pire, je peux aller faire un tour, miner un peu. Dans tous les cas, miner, c'est toujours utile. Bah bien sûr, maintenant je vais bien m'équiper avant parce que les temples marins ça reste assez chaud quand même. D'autant plus que les Guardians ils ont un effet de taunt, alors à chaque fois que je vais les frapper je vais perdre des PV. Ça va être chaud parce que mes PV se régènent pas. Autant je pourrais les régénérer, ce serait facile mais bon. Ah ouais. Ah oh, non non non, faut que je rentre, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai pas dormi. Hé hey, d'où il m'attaque sous l'eau? Je savais pas qu'il pouvait m'attaquer sous l'eau. Putain, j'ai déjà perdu les cœurs que j'avais récupérés. Ah bah génial. L'investissement ici est non présent. Mange. Ouais bah d'abord j'arrive à la maison et ensuite je vais manger. Il faudrait une trentaine de pommes, je pense, en exploration. Peut-être même plus. Et il faudrait surtout des bottes de Feather Falling. Histoire de... t'inquiète un peu, quoi. Ah ouais, bah non, s'il n'y avait pas de lac de lave. Bon, en vrai, j'ai dormi, je peux aller... je peux aller chercher mon... Oh non, j'ai tout cassé avec mes bottes. Mince. Merci Redchididi. Tant mieux que ça vous fasse plaisir. Moi aussi je kiffe faire mes vidéos. Alors si vous êtes à fond dessus, moi y'a rien qui me fait plus plaisir. Quoi, il a tanké? Eh ben y a pas tanké longtemps. On va partir de l'autre côté. Peut-être on va trouver des lacs de love plus facilement. Écoutez. Hein. Je pense que la résistance à l'explosion. Bah en vrai les résistances. Je préfère... ouais, mais ce serait plus pour le corps. En vrai, là, ce qu'il me faudrait surtout, c'est des résistances dégâts de chute. Parce que... ouais, mais les creepers, tu vois, à la limite, j'utilise mon bouclier et je suis tranquille. C'est Faithful. En 64-64, il me semble. C'est pas un mode pack, c'est un texture pack.
Bon, toujours à la recherche du coup de lacs de lave. Je pense bien qu'on devrait en trouver quand même. Je crois. Je sais pas du tout, mais sinon moi je peux vous l'envoyer, hein, je peux le laisser en dans les commentaires. Ça je l'ai trouvé moi-même, donc enfin je l'ai trouvé moi-même. Vous avez juste à taper Faithful sur internet, vous allez tout de suite le trouver, vous pourrez le télécharger. Mais je peux vous envoyer le lien, hein. Mais vraiment, vous allez sur internet, vous mettez Faithful, vous prenez le premier truc qui vient, ce sera ça. Pas de soucis, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on a plusieurs modos. Mais Zilton, pourquoi ton live est en rediffusion alors que tous les autres sont. J'ai pas trop combien très bien compris ta question, Reggie Didi. Oh, des petits renards! Oh, il y a une carcasse de bateau. Et ça, c'est intéressant, on peut trouver du stuff intéressant. On va aller chercher. Moyen qu'on trouve des trucs bien. Ah, et là-bas, il y a un temple. Enfin, un temple. Ah, de l'obsidienne! Bah ouais, je pourrais récupérer sur le temple. Croise les doigts, diamant. Ouais. Bon, en vrai, du fer aussi, ce serait pas mal. De l'or, ce serait génial. Mais bon, on n'a jamais ce qu'on veut. Hein. En vrai, une carte au trésor, ça peut être cool aussi. Enfin, bon, après, faut que le trésor soit bien, quoi. Toujours le même problème. Et ben voilà, du diamant, tu vois. T'avais raison d'y croire. Voilà. Ensuite, il me semble qu'il y a un coffre où on peut trouver facilement du papier. Ah, nickel. Et une carte au trésor. Des plumes, ça va être pratique pour faire des flèches. Là-bas, il y a un autre coffre. Souvent, il y a des pépites d'or dans les coffres. Oh, chute amortie! Et ben, c'est parfait! Exactement ce dont j'avais besoin. Il suffit de demander pour avoir, vous voyez les amis. Donc si vous voulez une PlayStation 5, n'hésitez pas à demander. Vous en aurez une. Bah c'est nickel. En plus j'ai ce match givrant sur une autre paire de chaussures. En fonction de qu'est-ce que je fais, il me suffit juste de changer de chaussure. C'est pas magnifique. Exactement. Même pas besoin de les craft. En gros, quand je vois ton live, on me dit que c'est une rediffusion. Et il y a le petit rond. Ah, effectivement, c'est bizarre, mais bon, tant que tu mets en live, c'est ce qui compte. Hein. Ah non, c'est pas du tout. Ah, c'est un. C'est pas intéressant. Oh, je vois pas de coffre. J'ai vu une autre épave là-bas. On va aller la récupérer. Attends, j'ai demandé des diamants. Link. Ouais, c'est ça. Demandez un équipement en diamant super cheat. Ah bah faut essayer hein, dans la vie. Non, la glace a fondu. Alors, où est ma maison? Ah, là-bas. Ah bah, pour un, vous savez. J'ai vu un zombie noyé avec un trident. Et pour Ark, si vous voulez, en vrai, vous pouvez l'avoir gratuitement sur PC, hein, si vous voulez. Il est gratuit pendant une semaine complète, donc jusqu'à jeudi prochain. Enfin, jusqu'à mercredi prochain, mais c'est jeudi matin. Et vous pouvez l'avoir gratuitement. Bon, Minecraft, c'est le seul départ. Je pensais que j'avais de la respiration. Je me disais, bah c'est bizarre, je vois plus de bulles d'air. Bah normal, j'avais plus de respiration.
Ok. Bon, on va retourner à la base, on va prendre les coordonnées parce que je sens que je vais réussir à me perdre. C'est pas cool, mon PC a pété il y a 2 jours. Ah! Ça, c'est un problème, effectivement. La prochaine vidéo sur Ark, c'est mercredi. Comme d'habitude, tous les mercredis, 8 h, l'épisode y sort. D'ailleurs, j'ai fait un live hier. Si vous êtes sur Twitch, normalement, vous pouvez voir la rediffusion si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez attendre la semaine prochaine. Et vous aurez mercredi un épisode normal, donc de 10 minutes, comme d'habitude. Mais voilà, voilà. J'ai déjà obtenu, mais avec ma quoi, impossible. Non, si tu as fait obtenir, c'est bon, tu pourras le télécharger plus tard. Alors, en vrai, tu t'en fous de l'avoir téléchargé ou non. À partir du moment où tu appuies sur obtenir, tu l'as. Bon, il y a plein de jeux sur Epic Games que j'ai eu gratuitement. Je les ai jamais téléchargés, je les ai jamais lancés. Mais si je voudrais y jouer, je pourrais parce que j'ai déjà fait obtenir. Oh, il y a un arc enchanté, regardez. C'est beau. On fait un MLG? C'est vrai, un zombie, il me pousse, je tombe. Pouf, je meurs. Alors, on va pas faire le malin comme le dernier épisode, sinon... Yo, the Skyman! Saute. Non, je saute pas. C'est bon, je commence un peu à en avoir ma claque de mourir. Mon frère fait pareil. Je savais pas, je croyais qu'il part. Ouais. Après, c'est clair que c'est un gros jeu, donc si t'as pas assez d'SSD ou de HHD sur ton PC, ça va être compliqué. Mais faut pas t'inquiéter, à partir du moment où t'as pu obtenir, c'est bon. Je suis deux. D'ailleurs, tu vois, je devais poster sur TikTok. Ok, bon bah je trouve toujours pas de lac de lave. C'est dingue parce que j'en trouvais tout le temps. Ouais, y a pas de soucis, t'inquiète pas. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Je vais prendre les coordonnées de la base parce que sinon je vais réussir à me perdre. On va aller chercher un lac de lave et on va aller explorer le Nether, récupérer pas mal d'or. En vrai, ce qui serait peut-être intéressant. On va aussi prendre plein de cannes à sucre. L'idéal, ce serait d'avoir Silk Touch sur ma pioche. Moi, je pourrais récupérer beaucoup plus de... Bon, après, fortune, c'est pas mal aussi, tu vas me dire. C'est quoi le plus rentable pour avoir l'or? C'est la fortune ou Silk Touch? Enfin, en tout cas, dans le Nether, je pense que c'est Silk Touch. Mais après, c'est vrai que dans le monde réel, ce serait bien d'avoir fortune. Ah! Je suis... Coucou, ça va bloc bloc? C'est quoi le projet? Le projet, c'est de pas mourir. Royani. On va se débarrasser de quelques objets. Ce qui en compte pour rien. Pomme, ça on va... Ça on va garder, on va en avoir besoin. Cool comme projet. Ah, nous on a des projets qui vont loin, hein, franchement. C'est un projet qu'on trouve pas de partout. On va poser la carte vierge qui sert à rien. On va attendre que la nuit se couche, on va dormir et puis on va repartir. Non, le projet c'est de réussir à finir le jeu en ultra hardcore, donc il vient d'où ton pseudo? Ah non. Bah oui, forcément. Alors mon pseudo, en fait, il vient de mon nom et de mon prénom. Mon nom commence par un S. Alors du coup, fallait que mon pseudo commence par un S. Et mon prénom se finit par un N. Donc il fallait que mon, mon pseudo finisse par un N. Et après, j'ai juste ajouté des lettres que j'aimais bien. Et ça a fini en Zipton. La base dans la pierre, c'est vraiment comme quand on commence Minecraft. Exactement. Bon, après, ça risque de changer normalement. En vrai, je pense que je vais garder quand même le fait d'avoir une base sous la terre. Mais je vais la pimper un peu, elle sera plus jolie. De 1 à 10, je dirais... 8, voire 9. Tu t'appelles Satan. Non, mon nom c'est un S et mon prénom c'est un... ça finit par un N. Satan. J'en mis un cœur sans faire exprès. Ah, c'est pas grave. Parce que t'aimes bien ta blague, c'est pour ça. Ok, c'est parti, on va chercher le trésor.
On va prendre la canne à sucre et faut tuer les vaches qu'on rencontre sur la route. Du coup, tu préfères Ark ou Minecraft? C'est un dur choix. Maintenant, à choisir, je pense que je préférerais Minecraft. Parce que j'y joue depuis tellement longtemps par rapport à Ark, je pense que je préfère Minecraft. Tu utilisais quoi comme logiciel pour ta pépé? Pour ma pépé? Ma pépé? Ma pépé? Ah, j'ai oublié de prendre les coordonnées, je suis débile. Tu entends quoi par ma pépé? Photo de profil. Ah! Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la même personne qui a fait mes dessins, qui m'a fait le logo. Donc, bah, c'est une dessinatrice qui me l'a fait. Donc, je peux pas te dire l'application que j'ai utilisée, étant donné que je sais moi-même pas qu'est-ce qu'elle a utilisé. Après, je sais qu'elle a utilisé une tablette graphique, etc. Donc, tu m'as déçu que tu m'as dit que tu ferais. Ouais, mais tu sais. Ah, en vrai, c'est parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à Minecraft que à Ark. Après, Ark, j'aime beaucoup, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé ma série dessus, parce que je trouve le jeu est plus apte à faire ce que je veux. Maintenant, Minecraft, j'y joue depuis tellement longtemps et j'en découvre encore, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer, mais j'ai toujours joué en modé et j'ai toujours aimé jouer à Minecraft. Ark, c'est venu bien plus tard, donc c'est pas pareil. Maintenant, ça veut pas dire que je préfère largement jouer à. Ah mince. Je préfère largement jouer à Minecraft à Ark. La preuve, je passe plus de temps à faire mes vidéos sur Ark que sur Minecraft. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Minecraft, c'est trop. Pour moi, c'est. C'est pas. Enfin, même question de jeu. En fait, l'avantage de Minecraft, c'est que tu peux faire tellement de choses dans Minecraft. Donc. C'est pour ça, Ark, après, je trouve, au bout d'un moment, tu tournes quand même assez rapidement en rond. Alors, c'est vrai que tu peux quand même rajouter des mods, etc. Mais. Par rapport à Minecraft, c'est pas pareil. Après, c'est vrai que c'est difficile à comparer. Hein. C'est comme si tu me rajoutes encore Pokémon sur la liste, alors là, je sais vraiment pas quoi choisir. Parce que Pokémon, c'est le jeu de mon enfance. J'ai passé des heures et des heures dessus. Et ce serait dur à classer. C'est très difficile. Mais alors, c'est pour ça que c'est les trois trucs que je fais au début sur ma chaîne. Et après, je ferai les autres jeux que j'aime beaucoup aussi. Mais. Enfin, voilà. Après, c'est clair que question graphique, Ark, il est largement mieux. Maintenant, voilà, c'est pas du tout le même principe. Bah, il y a pas mal de gens qui me disent de faire Ark Pokémon, mais. Oh, il y a du diamant. Bon, on va chercher le diamant, hein. Mais. Oh punaise. Oh, j'ai failli mourir. Bah, c'est ça. En fait, c'est difficile de les comparer étant donné qu'ils ont pas du tout le même projet. Donc, bon. C'est vrai qu'il y a plus de possibilités sur Minecraft que sur. Bah, ouais. Après, je dis pas. Hein. Sur Ark, il y a aussi énormément de choses différentes à faire. Hein. Le jeu est quand même très complet, etc. Mais c'est pas. Enfin, c'est difficile à classer. Dans tous les cas, les deux, j'aime beaucoup. Le squelette là il me fait peur. Bon, je vais pas rester ici parce que je sens que la mort m'attend. J'adore ce jeu. Bah non, la lave là, ça me sert à rien, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule source alors. Non, non, pas bébé zombie. Laissez-moi vivre, récupère la lave maintenant. Mais non, elle va me servir à rien la lave là.
Il y aurait eu plusieurs sources à la limite. Mais là, en plus, c'est super dangereux. J'ai pas trop envie d'aller dans les cavernes pour aller récupérer. Puis là, je suis à la recherche d'une salle. Ouais, mais un bloc, ça va pas me servir. Autant chercher un lac directement. Parce que je vais pas réussir à trouver 10 petites sources de lave comme ça. Ça va être trop long. Et là, c'est par où qu'il faut que j'aille. C'est par là, hein, sur la carte, on est d'accord. Il y avait plusieurs sources. Ouais, mais après, c'était plus profond. Il y avait des zombies, des squelettes. J'ai pas trop envie de mourir encore une fois. Je sais que vous, ça vous fait rire, mais moi, ça me fait moins rire. Ah, j'ai faim. J'aurais pu faire une source infinie. Mais non, les sources infinies avec de la lave, ça existe pas. Hein. Faut pas croire les tutos qu'on voit sur TikTok. Hein. Ouais, j'espère que Arc 2 va être incroyable. Arc 2, bah, on en parlait hier d'ailleurs sur le live de Arc. C'est vrai que j'espère qu'il va être incroyable aussi. Je pense qu'il y a un gros potentiel, d'autant plus que maintenant les développeurs ont beaucoup plus de moyens par rapport à Arc 1. Donc je pense qu'ils vont réussir à faire un jeu bien meilleur. Maintenant, faut voir. Ça va être très aléatoire. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, d'autant plus qu'ils annoncent des mécaniques incroyables comme les combats qui vont être beaucoup plus passionnants. Donc j'espère aussi que ils vont faire un net progrès, même sur l'intelligence des dinos. J'espère qu'ils seront un peu plus forts parce que là, honnêtement, ils te foncent dessus, ils n'ont pas spécialement de capacité. Donc ce serait bien qu'ils aient des moyens un peu plus, on va dire, offensifs, voire défensifs même. Ça m'énerve, je sais jamais comment on utilise une carte. Je crois que c'est par là du coup. Je sais pas si je vais dans le bon sens en fait. Exactement, c'est exactement ce que je me dis. Mais je me dis en vrai, je pense que s'ils prévoient ça, c'est que ça va être bien fait. J'espère. D'autant plus que là maintenant, tout ce qui est technologie, ils ont beaucoup plus. Enfin. Ils ont beaucoup plus de moyens, c'est beaucoup mieux fait. Donc je me dis, par rapport à Arc 1, je pense que ça va être bien. Là, plus je... Ah ouais? Ouais, je savais pas. Ah bah peut-être je vais aller récupérer la lave alors. Apparemment, si tu touches la queue ou la tête... Ouais, bah c'est ce que je dis. Après, c'est pareil. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Faut voir dans la réalité qu'est-ce qu'il va donner. Non, sens de l'orientation, zéro. Ah, si je connais pas, en fait. Mais là, la carte aussi, en même temps, elle est pas explicite. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Après, tu vas me dire, j'attends. Bon, non, mais je pense que c'est par là. Alors, en même temps, j'explore au moins. Hop! J'essaye de pas trop regarder les trailers, moi. Je veux vraiment lancer le jeu et avoir la surprise. Mais je regarde un peu quand même ce qu'il propose. Au moins, comme ça, quand j'arriverai dans le jeu, je vais pas dire oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me faire bolos. Je sais pas. J'ai pas regardé les trailers. Et franchement, je veux bien garder le suspense et allumer le jeu. D'autant plus qu'il a l'air incroyable, donc. Arc, c'est soit un giga. Ouais, moi honnêtement, j'espère que ça va être incroyable. Ah bah voilà, regardez, j'ai réussi à utiliser la carte. Je vais réussir à m'en sortir. On va aller chercher le coffre. On va devenir riche. Mais pour moi, je pense qu'ils vont y arriver. Le jeu, il va être incroyable. Et ça va être incroyable. Ah bah c'était là où est-ce qu'on était tout à l'heure en plus. Ouais. Oh non, il est sous l'eau. J'ai jamais réussi à le trouver. Ouais, bof. Je sais pas trop pourquoi ils ont utilisé lui, mais bon écoute, hein. Chacun son kiff.
Ouais, bon, on verra. Ouais, pour moi, à mon avis, je pense que Arc 2 va être incroyable. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas du tout. Je connais pas trop sa vie à Vin Diesel, mais bon. Après, il a quand même la carrure pour se battre contre des dinosaures. Alors, où est-ce que je suis? Ah, là, je suis pas. Une pelle. Alors, je sais pas du tout comment je vais faire pour trouver le coffre là. Fais gaffe à ta vie quand même. Ouais, mais t'inquiète, il y a une porte qui me protège. La porte, c'est la vie. Vous savez si il faut creuser sous la pierre pour trouver les coffres? Ouais, est-ce qu'ils sont vraiment bien? Là, je suis en train de creuser, creuser, mais je trouve pas grand-chose. Hein. Ça dépend, je crois. En plus, bien sûr, hein, ils le mettent en plein milieu de l'eau, comme ça c'est pas pratique à récupérer. On va déblayer toute la zone, hein, c'est pas grave. C'est saoulant, quoi. C'est là le truc qui est juste en dessous de moi. Non, ça va, il est pas en dessous. J'étais en train de me dire, je le pense, alors ça va se passer. Là, je suis vraiment dessus. Hein. Attendez. À la limite, c'est un peu par là encore. Tu penses top 2 est trop inscrit. Honnêtement. Ah, il est ici. Honnêtement. Oh, plein d'or. Alors, ça, c'est bien. De la TNT. Alors, c'est un peu bien. Ah, une potion d'apnée. Ah, ça peut être cool, ça, à la limite. Et hop, on casse le coffre. Et on va chercher le deuxième trésor. Quoi? C'est le même? Oh, je vais mort. Pourquoi je peux plus remonter? Ah ouais, c'est ma glace. Ok, bon. Eh ben, on va essayer de retourner là où est-ce que j'ai vu la petite source de lave. On va essayer de faire de la lave infinie, comme on m'a dit. Avec un chaudron. Étant donné que maintenant c'est possible. Oh là, le lave! Ben non, le lave dans l'eau, c'est pas possible quand même. Zipten. Ah ouais, c'est les calamars lumineux ça. Ah non, c'est juste des lumières. Ouais, bah de ce que les gens viennent de me dire, oui, c'est ça, on va essayer. Mais c'est vrai que maintenant qu'on me le dit, ça me paraît évident. Mais sur le coup, ça me paraissait moins évident.
Arc Pokémon, c'est officiel, je croyais que c'était un mode. Il me semble que c'est un mode, hein. Oh punaise, c'est pas passé loin. Et il me semble que c'est un mode, c'est pas officiel, Arc Pokémon. Ouais, j'ai compris. Bah, maintenant, il va falloir que je retrouve ma source de lave. Même si j'ai un petit souvenir de là où est-ce que c'est. Ah, à peu près. Ouais, c'est ça, c'est un mode. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été officialisé par les développeurs de Arc. Bah, après, tu sais, c'est comme Pixelmon, hein. C'est un mode, mais c'est devenu tellement normal, entre guillemets, sur Pokémon, enfin, sur Minecraft, que ça en est presque devenu une évidence, entre guillemets. Fais gaffe aux fantômes. Non, c'est bon, je suis allé dormir, donc il n'y aura pas de fantômes. J'ai déjà eu le coup, t'inquiète. Au pire, on m'appelle Usain Bolt, ils n'arriveront pas à m'attraper. J'ai jamais joué, mais j'ai vu quelques vidéos. Bah, ça dépend. Sur Arc, je sais pas, j'ai jamais fait, mais salut Zuto. Sur Arc, j'ai jamais essayé Arc Pokémon, donc je peux pas trop te dire les bugs et tout ça. Mais normalement, après, c'est des modes qui sont très bien faits, donc c'est rare qu'il y a des gros gros bugs. Que ça soit sur Arc ou Minecraft. Bon, alors moi là j'ai peur des squelettes. Il y a 75 000 creepers en plus. On va passer là, on passe tranquille. Ouais, je sais. Bah là je suis en train de char. Ah. Je suis en train de rechercher la lave que j'avais trouvée. Ah non, faut que je la retrouve. C'est la vraie mission. Ah, là, il y en a, mais ce n'était pas ici. Il y a un gros bug avec Mega Dracofeu X. Oui, bah après, il y a des bugs, hein, comme dans tous les jeux. Mais non, après, c'est quand même vachement bien fait. Ah, après, c'est vrai que Pixelmon... Des fois, je trouve les Pokémon, ils sont un peu trop bien faits pour que ça soit du Minecraft. Mais ça passe. Franchement, je trouve que ça rentre bien quand même dans l'univers. En plus, les Pokémon, ils apparaissent en fonction des grottes, donc... Bon, alors, je retrouve pas d'autres sources de lave. Là-bas, il y en avait une. On va pas se battre contre l'araignée. Ouais, non, en vrai, tu vas pas les perdre. C'est juste que c'est. Comment dire? Tu vas pas perdre ta map, ça c'est sûr. C'est juste que ça fait pas. C'est pas très joli. En fait, c'est plus des bugs, on va dire, d'affichage. Apparemment, avec Mewtwo. Ouais, bref. Après, ça c'est si tu joues sur des serveurs. En vrai, si tu joues tout seul. Bon, tu vas pas te faire ban. À moins que tu te fais ban de ton propre PC. Mais je crois que j'ai pas encore entendu des anecdotes comme ça. Autant ban de son propre serveur, ouais, ça j'ai déjà vu. Est-ce qu'il y a une source de lave par ici? Je vois, il y a de la lumière, mais... Ah non, c'est une petite lumière. SAS! Ouais, tu fais la commande slash spectateur, hein, enfin slash game mode spectateur, hop, tu repasses à travers, problème réglé. Un problème, une solution. Bah ouais, t'as raison, essaye, hein. De toute façon, il faut essayer dans la vie, c'est important. C'était ici le lac de lave ou c'était juste avant? J'ai déjà oublié.
Le lac de lave. Enfin, le lac, la source de lave. Ah, c'est ici. C'est ici? C'est ici. Ok. Source d'eau. Ah non, là. Allez, on se transforme en eau, petite glace. Voilà. Hop, on récupère la lave. Hop. Et on rentre à la base et on va faire une source de lave infinie. Sérieux. Alors par contre, si je meurs, je vais pas être content. Là. Par où est ma maison? Par là, je crois. Il me semble. Je vais mettre mes bottes pour ne pas me faire des dégâts de chute. On va voir ce que ça donne un peu. Alors, on continue tout droit, hein, de toute façon. Que je serais pas parti du mauvais côté. Ah, c'est fort probable ça. Mais c'est quoi ces cavernes du futur? J'arrête pas de manquer de mourir toutes les minutes parce qu'il y a des trous énormes. Je bug. Ça bug pour tout le monde ou... Moi, a priori, il me dit que ça bug pas sur mon live. Nope. Bon, bah nickel. Bah, je suis complètement paumé. Bah, on va utiliser les coordonnées, c'est pas grave. Alors, moins 662. Par là. Et moins 1500. Par là. Le chien, il essaye de bouffer les loups, les moutons, mais il n'y arrive pas. C'est la plus grande source de mort des humains et les moustiques. Je crois que j'ai vu la vidéo dont tu parles qui comparait ça. Mais oui, les moustiques, c'est super dangereux. Bon, c'est pas pour autant que j'irai dans la mer, hein, mais il faut pas sous-estimer la puissance des moustiques. C'est pour ça que c'est la bête que j'aime le moins. En plus, ça fait un boucan du diable quand tu essayes de dormir. Non, non, c'est insupportable. Salut le fun 21. Alors, s'il y a bien une espèce qui pourrait disparaître et qui me manquerait pas, c'est les moustiques. Bon, normalement, on est censé bientôt arriver. On va pouvoir enfin le moustique. Une crise d'épilepsie. Il faut péter, ça fait des bulles. Après, il est perdu le requin dans l'eau. C'est une vraie astuce. Hein, si vous faites attaquer, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, ça va vous sauver la vie. Oh, les cavernes, elles sont gigantesques maintenant. S'ils disparaissent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est saoulant quand même. On pourrait pas piquer autre chose que nous.
Je ne retrouve toujours pas ma base. Ah bah j'y suis bientôt, c'est pour ça. Je ne suis pas encore arrivé. Ah voilà ma montagne. Nous sommes arrivés à destination. Vous savez si on retire tous les vertèbres. Tous les vertèbres. Hop. Vertébré. D'accord. Bah si tu le dis, hein, moi je te crois. Alors, donc, si j'ai bien compris, normalement, alors il va falloir créer un entonnoir, du coup. Un entonnoir, c'est comme ceci. Bingo. Ça on a pas besoin, ça on a pas besoin. Là, ça on va pas mettre ici. Ça, ça va ici. Ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va. La pomme, on va la garder. On va se faire une pomme en or, récupérer un peu de PV parce qu'on en a plus. Hop. Non, mais c'est clair. Faut aller à l'école hein, si vous voulez parler de ça. ça et ensuite un stalactite. Est-ce que j'en avais? Je l'ai trouvé dans les cavernes. Comment on récupère les stalactites? Merci le fan 21. J'ai pas récupéré de stalactites. J'en étais sûr d'en avoir trouvé dans les cavernes en bas. Chercher, hein, c'est pas grave. Il me semble qu'il y avait des cavernes assez grandes quand même en bas, donc je pense qu'on devrait pouvoir en trouver. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les abeilles, à la limite, ça me dérange pas parce que généralement, je trouve pas ça spécialement méchant. J'entends de la lave par ici. Pas d'où ça vient, mais il y a de la lave ici. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, là, c'est pas de la... Ah bah si. Je filme mon écran au cas où. tricher un peu. D'où vient la lave? Mais comme de par hasard, on n'entend plus la lave, c'est incroyable. C'est ça, ou avec des potions de soins aussi, les potions de soins ça marche. Mais les pommes en or, c'est ce qui...
on va dire, entre guillemets, le plus simple à attraper. Mais oui, c'est ça. Mais mes points de vie se régénèrent pas avec la nourriture. Alors c'est pour ça que l'objectif là c'est d'aller dans le Nether pour pouvoir récupérer des potions. Histoire de pouvoir se régénérer. Enfin des potions et même. Et même avoir plus d'or parce que dans le Nether maintenant il y a beaucoup 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 d'or. F1 pastèque a disparu. Bah, il doit être pris. Des fois, il a une vie, hein. Comme toute personne normale. Du coup, je trouve toujours pas de stalactites. Vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, viens te battre. Oh bah il va se noyer. Bah c'est bon. Hop là, bon débarras. Un écran film de pide. Mis. Alors je sais pas trop pourquoi tu filmes, hein, tu sais, il y a les rediffusions, ça existe. Il n'y a pas de stalactite, hein, pas un seul. Oh, du diamant. Bon, c'est pas mal non plus, hein, on va pas s'en plaindre. Hein. On va peut-être manger la Golden Apple. Oui, d'accord. Si tu le dis, hein. La piste s'en récupère, on va en avoir besoin. On va pas garder le seau de lave dans la main, c'est pas forcément. On va récupérer le fer aussi. Ça mine de rien, ça pourra nous être potentiellement utile. Par contre, la potion d'âge. Ouais, bah, oh, c'est bon. Ouais, c'est. Ouais. C'est vrai que c'est quand même assez chaud à voir, mais c'est faisable. Pour l'avoir déjà fait, pas sur cette partie, mais juste avant. Enfin, juste avant. Un peu avant. Ça va, c'est faisable. Ouais, pas de soucis, bon appétit. Ah, l'œil de lave! Ah non, c'est pas l'œil de lave. On va pas aller là-bas, ça m'a l'air dangereux. Imagine. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai pas trop envie là. Je suis pas trop chaud en tout cas pour essayer ça. Mais... Vas-y, viens, 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 viens. Ok, bon là il y a de l'or, ça on récupère. Bon désolé, hein, je parle pas trop, mais là je suis concentré à fond.
J'ai plus beaucoup de cœur, c'est pas le moment de mourir. Mais il y a combien de zombies ici? Je les entends mais je les vois pas, c'est... Ça fait peur. En fait, j'ai peur, il y a un mob qui apparaît juste derrière moi et qui me tue. Quand on parle du loup. Ah bah regardez, il y a un creeper juste derrière moi, voilà. Il aurait été capable d'arriver dans mon dos. Oh merci le bouclier. Mais d'où il sort lui? Oh non mais... Terrible ça! Bon bah c'est génial, il n'y a pas de stalactites en plus. On adore. On trouve absolument pas ce qu'on veut dans le jeu. Ouais, c'est clair. Ah bah c'est le réalisme des jeux, hein. Il a enchanté son arc. Oui, bah justement, c'est pas forcément la raison pour laquelle il faut forcément se battre contre lui. Je stresse. Oui, moi aussi, je stresse. J'ai pas trop envie de mourir maintenant. Mais ici, j'étais sûr d'avoir entendu de la lave. Je crois poule. Ah. Ouais, mais le truc c'est que. Ah, bulle de lave, attendez. On va aller par là. Par là, il y a bien l'air d'avoir de la lave. Alors, ça a l'air d'être par ici. Je sais pas si c'est en bas ou au-dessus de moi, en fait. En bas. Vous pensez c'est en haut? Plus que 4 à l'épée. Ouais, ça a bien descendu. Bon, les gens, ils sont venus faire un coucou, hein. Bruit de pas. Ben voilà, y a plus de lave. On peut descendre jusqu'à la couche combien? La couche moins 21, là.
C'est vrai, je me dis limite, faudrait presque que je creuse une mine droite et que j'essaie de trouver un lac de lave, hein, ce sera plus rapide. Ah, du diamant. Mais alors, généralement, on trouve plus de lacs de lave que de diamants. Et là, je trouve plus de diamants que de lacs de lave. Alors, encore du diamant, regardez. D'où j'ai pris des dégâts? Et je vais finir par mourir. Hein. Ah, ça marche pas comme je le pense. Attendez, je vais pas laisser le diamant que j'ai coupé ici. Ah non, j'ai déjà récupéré. Bon, bah on va continuer à chercher, hein, c'est pas grave. On adore. Est-ce que je vais réussir à survivre avec un PV? Ouais, c'est clair. Meurs pas, j'arrête. Ah bah, j'aimerais bien ne pas mourir. Pas moi qui dis, il y avait un diamant. Ouais, je sais, mais ça me saoulait dans l'eau, alors je retiens, mais... Ouais, alors c'est 2 PV, mais il me reste un cœur. C'est vrai, là aujourd'hui on a une petite heure. Ouais, c'est ça, 1 h 3 min. Mais alors ça fait 1 heure que je cherche de la lave, j'en trouve pas. Ah, de l'or. Bénef. C'est fou quand même. Peut-être il faut que je demande autre chose. Je voudrais du diamant, s'il vous plaît. Peut-être que si je demande du diamant, je vais avoir de la lave, hein, qui sait. Bah si. Dans mon inventaire, je vois pas de lave. Enfin, j'ai un seau, mais j'ai pas de stalactite. Oh, faut pas en avoir marre. Moi, je suis content, ils sont passés, ils ont dit bonjour. Sinon, votre semaine s'est bien passée. Après, tu sais, ils ont peut-être des choses à faire aussi. On a tous une vie, c'est quand même assez rempli. Moi, je comprends. J'ai pas forcément non plus le temps, des fois, de rester. Ça demande des stalactites. Ah ouais, mais il me donne pas de stalactites non plus, alors je sais pas ce qu'il faut leur demander. Ah mince. Ah, une grotte. De la lave! Oui! On va aller se faire des torches et on va revenir ici. On va aller clean la zone au-dessus pour éviter que les mobs ils apparaissent. Et on va récupérer de la lave, les amis. Ouais. Bah, je cherchais justement la grotte que j'avais entendue et c'est bon là. On a la grotte, on va pouvoir y aller. Après, ils sont peut-être partis manger les gens. Ah bah 22 h, ça fait tard pour manger quand même. Waouh, enfin c'est pas grave. C'est bon, on a trouvé notre lac de lave. Enfin! Après seulement 1 h 5 de recherche, on a déjà trouvé notre lac de lave.
À la fois, je préfère garder ça, mais bon. Tant mieux pour toi, moi pas ouf, j'ai appris que deux personnes. Ouais, c'est sympa de se faire tester du Covid. Ça marche que sur l'eau. Rayman. Et ben voilà, regardez, on a à nouveau 4. Hop, voilà, on a une petite source de lave ici. Non, la lave ici. On va mettre ça à cuire. On va ranger un peu mon inventaire parce que c'est un peu le bazar. Ça. Le fer, on va le mettre à cuire aussi. D'ailleurs, c'est vrai que dans Minecraft, c'est un peu bizarre parce que on fait cuire nos minerais dans le même endroit où on fait cuire notre nourriture. Ce qui, si vous voulez mon avis en tant que cuisinier, n'est pas très très. C'est pas très très bon pour les estomacs. Des bâtons. On fait des torches. Peut-être ce que je vais faire, je vais attendre d'avoir 8 d'or, je vais me faire une pomme en or. J'ai plus de pommes. On va aller chercher des pommes. Oh, il y a plein de canne à sucre, ça c'est bien. Moi je fais souvent. Sympa la nourriture. Ah bah c'est clair qu'après, en termes de fer, vous êtes nourris, hein. Alors ça, il n'y a pas de souci. Votre corps, il est aussi résistant que n'importe quel métal. Hein. Mais bon, je trouve ça un peu étonnant, quoi. D'autant plus qu'ils n'ont pas de médicaments dans Minecraft, donc ils sont pas censés pouvoir se soigner. Et pourtant. Bonjour, Ratchididi. Ratchididididi. Ratchididididi. Oui, Pharo, c'est vrai. T'as bien mangé? C'était bon? Hop. Bonjour, est-ce que je peux avoir? Oui, merci beaucoup. Frites et steak. Ah, c'est le meilleur repas. Quelle version j'avais au Bedrock? Bedrock est 1.19.9. Oh, il y a des zombies, mais ils sont coincés. Est-ce qu'il y a le soleil? Charbon, ça les fois. Deux pommes, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Un jour, tu passes la race. Moi, frites merguez. Ouais, c'était pâte à la sauce tomate, c'était très bon. Ah. Merguez incroyable. Ah, honnêtement, je préfère steak frites. Hein. C'est plus classique, mais. Ah, les pâtes, ça passe partout. Peu importe le moment de la journée, ça se mange sans faim. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Je peux en manger tout le temps. En plus, il y a tellement de sortes différentes. Impossible de s'en lasser. J'ai bien dit impossible. Oh, le poulet. Bah 4 pommes, on va dire que c'est plutôt pas mal pour l'instant. On va récupérer le canne à sucre. Et bah voilà, on se met plutôt pas mal. Spaghetti bolognaise avec parmesan, incroyable. Non, pas de parmesan, alors là je suis désolé, mais. Certains diront que c'est dégueulasse, mais le pecorino, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur fromage du monde. 5 minutes. Parmesan, c'est pas.
Pour moi, c'est le bas de gamme, vous voyez. Je sais pas, jamais testé. Eh ben écoute, si un jour tu trouves du pecorino, alors achète-le pas en sachet. Hein. Faut acheter le vrai pecorino que tu râpes toi-même. C'est même incroyable. À quel point c'est bon. C'est une expérience. Mais non, ça c'est ce que tu dis. Mais à un moment que t'as goûté, tu peux plus t'arrêter avec le fromage. C'est comme les raclettes, c'est trop bon. Enfin, bref, les raclettes après c'est vite écœurant. Non, les raclettes c'est pas forcément le meilleur des exemples que j'ai donné. Quel meilleur exemple que je pourrais donner? 22 diamants! Et on s'en sort vraiment pas mal, hein. Bon, j'ai 3 cœurs, mais ça c'est une autre histoire. Tu es allergique. Alors, moi, oui, j'ai des allergies. Mais je ne sais pas à quoi. Mais j'ai des allergies. Le chef, c'est trop bon. Ouais, le chef, c'est bon. Tous les fromages connus. T'as dû en manger un sacré paquet parce que même moi, je les connais pas tous. Je crois que oui. J'ai oublié mes torches. Ah non, elles sont là. Ok. Allez, c'est parti. On va aller dans le Nether, les amis. C'est décidé. Oh, c'est décidé. On y va. Ah, bah là, c'est plus sécurisé. Bon, on va peut-être venir ici. Ah bah attendez. Tous les chemins mènent à Rome, évidemment. Ah, oh, attendez, y a pas de mob. On en profite. On va éclairer la zone. Ah si, y a un zombie. Un zombie, c'est gérable. Incroyable! Nous dominons les cavernes. Voilà, on va essayer de pas tomber dans la lave, parce que tomber dans la lave, ça fait bobo. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, je vous le dis, apprenez-le. Moi, c'est salade qui me fait vomir. Non, la salade, c'est bien. Bon, je dis pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, c'est sympatoche, quoi. Pastèque est là. Oui, à partir du moment où vous faites les clips, après il récupère. Sinon, il regarde les rediffusions, il me semble, donc c'est pas un souci. Pour ça que je lui avais dit, il faut que j'ai plusieurs modos. C'est pas qu'il faut le remplacer, c'est juste que le pauvre monsieur, il a une vie aussi, hein. Il a ses études quand même. De l'or. Allez, c'est parti. On va récolter du. Comment ça s'appelle? Du obsidienne. Oh, on va peut-être pas le récupérer ici, on va le récupérer là-bas. Ça me paraissait un peu plus sécurisé. On va peut-être couper ça par contre. Parce que par les pouvoirs divins, il pourrait tomber et. Je gonfle comme un ballon quand je mange des champignons. J'espère que tu t'envoles pas trop haut quand tu gonfles comme un ballon. Ce serait triste sinon. Voilà, nous repassons sur un moment très intéressant de Zipten qui mine de l'obsidienne. Tout le monde ne supporte pas une nourriture, en vrai, c'est normal. Alors, tomate mozza, c'est incroyable, c'est super bon, super simple à faire. Ce que je t'invite à faire, c'est de rajouter du vinaigre balsamique par-dessus. C'est super bon. La mozzarella, il faut que tu prennes de la di bufala. C'est encore meilleur, mais vraiment. Et tu rajoutes un tout petit peu de gros sel. Et alors là, t'as une recette.
En 5 secondes, c'est prêt. Et une tomate mozza délicieuse. Bon, faut juste couper les tomates. Mais tomate mozza, oui, c'est... Si t'as envie de manger une entrée rapide et efficace, tomate mozza, c'est parfait. Je suis à combien d'obsidienne? Il m'en faut du coup 2 plus 3, ça fait 5. 8. Ouais, je pense que c'est bon. 8. Oh, tu me donnes envie d'y goûter. Ah oui, bah franchement, il faut goûter ça. Tomate mozza, c'est... C'est... Ah, c'est... Ah c'est bon. Tu connais Bruno Graffa? Non. Enfin, moi je connais pas. Je sais pas si c'était à moi que tu posais la question. Je m'envole comme un oiseau. On va s'envoler comme les oiseaux. Je pense que ce qui serait intéressant de faire là, ce serait un élevage de vaches pour récupérer du. Bah oui, j'ai la ref. Toy Story, le meilleur dessin animé du monde. Je suis désolé, c'est beaucoup trop bien. C'est pas le TikToker qui a fait des graffitis. Ça fait mal hein, de se prendre un avion. Il faut éviter quand même. C'est un conseil que je vous donne. Faites attention aux avions quand ils atterrissent. Mettez-vous pas en dessous. Si on faisait le portail du Nether ici, je pense que c'est une très bonne idée. Bien à l'intérieur de ma base, comme ça, s'il y a une invasion de monstres, ce sera pile devant chez moi. Oh. Heureusement, j'avais de l'obsidienne en rabat. Et j'ai une briquet. Ouais, mais justement, c'est bien. Je les inviterai, on va boire un café ensemble et tout, ça va être cool. Il faut penser à faire des collaborations et être amis avec. Je vais leur proposer mon lit, comme ça ils vont pouvoir dormir un petit peu. Parce que dans le Nether, ils peuvent pas dormir, pensez un peu à eux. Ouais, mais il était dans une voiture. Il était pas là à tendre les bras et dire: attends, je vais t'attraper, je vais te faire atterrir. Exactement, mais s'ils sont dans ma base, ce sera plus facile pour les tuer. Ah, par contre, il faut que je mette mes bottes en or parce que sinon ils vont vouloir me tuer. Et mourir, c'est pas marrant. Tu peux faire les murs en abédite poli. En abédite? Pierre des abîmes. Un petit dernier lingot d'or. Je ne connais pas ce mot. Moi non plus. Ok, alors on a une pomme en or, une pioche. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Oh, attendez. On va récupérer un lingot d'or, on va aller le donner au piglin. Truc marrant, je l'ai tué. Oh non! Pas ce biome! Le biome rouge, ça veut dire la mort. Et la mort, c'est pas cool. Vas-y, jump! Je devais pas mourir! Non, non! Oh non! Oh!
encore! Oh, ça m'énerve! Oh. Oh. La mort inattendue, j'ai pas le clip. Bah ouais, ça court. En plus, j'allais dans le nether. J'avais sauté, mais il a pas sauté. Oh, bon courage, oui, bah merci. Pourquoi tant de haine dans ce jeu? En plus, j'avais tellement de diamants. Le biome rouge signifiait bien la mort. Exactement. Ah, en plus, je le disais. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Je l'ai demandé, bah ils m'ont donné. Est-ce que je vais y arriver un jour en ultra hardcore à finir le jeu? C'est une très bonne question. Apparition des Warden. Je ne l'avais pas dit. Ah ouais, non, en fait j'aurais dû repartir direct. Oui, dans 10 ans. Exactement, quand j'aurai un skill de professionnel, j'arriverai à tout faire les yeux fermés. Bon, on verra comment ça va se passer aujourd'hui. Hein. Je sens que cette partie, il faut toujours avoir 5 essais. Là, c'est le cinquième essai. Je sens que ça va bien, bien mieux se passer. On va tomber sur tout ce qu'on a besoin dès le début, vous allez voir. Ça va être incroyable cette partie, je le sens. Regardez, on commence dans un biome plutôt pas mal. Quand tu es en train de mourir. De chute peut-être. C'est vrai que la plupart des morts sont de la chute. Sur ce live, oui, mais j'ai déjà fait 5 parties. Comme on dit, jamais 405. Exactement. Et comme on dit, jamais 605. T'aurais dû te faire une armure en diamant. Bah l'armure en diamant, en fait, elle m'aurait pas protégé des dégâts de chute, donc ça aurait rien changé du tout. Ok, bah allez, on est reparti, hein, on adore. Ah, le biome rouge, c'est tellement dangereux. En fait, j'ai eu tellement peur des cochons. Pas les piglins, hein, les cochons, vraiment. Ils me font peur, ces machins. Et je me suis dit, ah bah, ils vont me tuer. Et j'ai eu peur de ça. Et bah, c'est la chute mortelle qui m'a tué. Voilà. C'est cool, j'adore les Zoglins. Ouais, c'est ça, voilà, les Zoglins. Ah, je retiens pas leur nom, je les aime pas. Je retiens pas les noms que j'aime pas, des gens que j'aime pas. Je vais commencer à faire une survie avec toi. Vas-y, tu feras un ultra hardcore. On va voir qui c'est qui va survivre le plus longtemps. Honnêtement, je m'attendais pas à galérer autant hein, sur ce challenge. Il a vendu la terre du Nether. C'est ça. C'est ça. Oh, une petite abeille. Ah mais je... Ah, mince. Bon bah j'aurai deux haches. Ils sont trop belles. Même tout court, hein, ils font trop belles ces machins. Ouais, j'ai bien compris, mais j'aime bien l'idée. Bon bah on recommence tout. C'est génial, hein? Bon, on commence à avoir l'habitude maintenant, ça fait 5 fois déjà. On va couper quelques arbres, on va partir en exploration, essayer de trouver une maison. Moi, je suis mort, je vais me coucher. Pas de soucis, bonne nuit, Réormordo 312, bonne nuit. Bon, et bah, il n'y a pas grand chose. Hein.
Ne pas me donner de pommes. Ah oui, les oglings, c'est terrible ce machin. Bah rien du tout. Bon bah nickel. Oh, en plus ça m'énerve, j'ai commencé à... Oh, j'avais plein de projets et tout. Ouais, faut que je recommence tout, c'est génial. On adore. Bon, dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester concentré, on va pas faire n'importe quoi. Bon, c'est ce que je fais depuis 5 essais, mais... Tu devrais faire en sorte que quand on écrit YouTube, c'est... Alors c'est vrai que je pourrais le faire, mais déjà faudrait que je sache comment on le fait. Et c'est surtout ça le problème. Biome marais. On va exploration un petit peu et puis on va essayer de trouver quelque chose de cosy cosy. Rien de bien intéressant par ici. Après, ce qui serait pas mal, ce serait d'essayer de trouver un village. Peut-être que... Oh, une montagne géante! En vrai, j'aime bien la montagne, comment elle est faite. Je pense qu'il y a moyen de... Ce serait marrant de faire une genre de base géante en fait. À l'intérieur. Essayer de faire le contour, voir un peu de quoi elle est faite. Ah. Non, non, non! Tu me toucheras pas. Ah, le mauvais. Il s'est même pas visé. Je n'ai même pas lancé Minecraft. Ouais, comme la semaine dernière. Peut-être les lives, je devrais peut-être les commencer un peu plus tôt, je pense. Ce serait peut-être mieux pour tout le monde. Les faire de 20h à 22h, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que 21h, c'est tard jusqu'à 23h? Parce que généralement, c'est vers 22h, les gens, ils s'en vont. Donc je me dis, peut-être que si je fais 20h, 22h, ce serait mieux. Bah, je vais essayer 20h-22h parce que j'ai remarqué hier sur le live de Ark, c'était en plein après-midi, je me suis dit il va y avoir personne parce qu'il y a l'école. Bah tu parles, j'ai réussi à atteindre les 17 personnes en même temps, donc je me dis peut-être 20h-22h c'est bien. Bah ouais, bah je pensais pas à ce point-là en fait. Enfin du moins pas ma commu, mais bah a priori si. Donc bah, je vais m'adapter, hein. Je vais demander à mon avis dans le prochain épisode et je changerai ça en fonction de ce que les gens me disent. Bah ouais, c'est peut-être pour ça. Donc bon, bah, je pense que je vais changer, je vais dire 22h. Comme ça, même ceux qui vont se coucher à 21h, à 20h, ils pourront venir regarder le live. Alors, pour Discord, le projet avance. Je suis en train de travailler avec un pastèque dessus.
D'ailleurs, est-ce que vous avez des connaissances sur les serveurs Discord? Parce que alors moi, je suis une quiche, mais totale. Je sais pas du tout utiliser Discord. Et du coup, alors j'ai commencé à créer un serveur, mais bah, pour l'instant, il est vide en fait. Et du coup, si vous savez utiliser Discord, en fait, bah, votre aide est vachement le bienvenu. Mais oui, ça avance. Et je pense que je vais l'ouvrir en même temps que je vais ouvrir un serveur Minecraft. Parce que au moins comme ça, les deux seront liés en fait. Et je pourrai utiliser le serveur Discord pour parler avec vous et tout ça directement. Et jouer en même temps. Parce que j'ai aussi un projet de faire un serveur Minecraft. Je suis déjà en train de réfléchir un peu au jeu que ça pourrait être et tout. Et honnêtement, je pense que ça va être sympa. Maintenant, on verra ce que ça donne en vrai. Bah, c'était ce que je vous avais parlé la semaine dernière, un genre de Fallen Kingdom en fait. Mais un peu mise à jour, on va dire. Ouais, je sais, mais en fait, le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a vraiment rien d'intéressant sur le Discord. Je suis en train de réfléchir un peu. D'autant plus que, étant donné que ça risque de me coûter de l'argent d'ouvrir un serveur Minecraft et tout. Il faut que je réfléchisse aussi à comment financer ça et tout. Donc c'est un peu pas mal de questions que je suis en train de me poser et je verrai bien comment on fera au fur et à mesure en fait. Mais pas de soucis. Bah du coup à la prochaine. Merci d'être passé sur le live. Alors là honnêtement tu vois tu me parles de trucs mais je comprends pas trop mais si tu t'y connais je vais t'envoyer un lien pour rejoindre le truc Discord et si tu veux on verra ensemble dès que tu pourras et que je pourrai et si ça te chauffe pour m'aider à faire le serveur Discord écoute moi je suis grave chaud. Alors là, il va faire nuit par contre et j'ai aucune couverture. Enfin, aucune couverture. Pas une couverture pour avoir chaud, hein. Une couverture. Je suis tout nu dans la nature, quoi. Bah écoute, je t'enverrai le lien. Peut-être pas ce soir parce qu'après, il faut que je remette la rediffusion sur YouTube parce que j'ai remarqué qu'en fait, il y a quand même des gens qui regardent les rediffusions sur YouTube. Donc je vais quand même la mettre pour les quelques intéressés. Mais je t'enverrai sûrement le lien à mon avis demain ou quoi. Et dans la semaine, on verra pour s'appeler ou voir un peu qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as comme idée. Et je t'expliquerai plus en détail moi ce que j'ai comme projet. Il y a des creepers en plus. Tu m'enverras sur quoi? Directement sur... Je t'enverrai un message privé sur Twitch. Oh, mais c'est un biome, ça va, mais ça va. Ok, ça me va. Alors, je crève la dalle, je suis au plein milieu de la nuit. Y'a rien qui va. Mais tout se passe bien. Au pire, tu... bah, si tu veux, mais sinon, t'inquiète, hein, je t'enverrai directement le lien du serveur Discord, au moins tu pourras le rejoindre. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Ah non, 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 non. Cette montagne a un peu son charme quand même. J'aime bien. Mais je pense pas que c'est là où je vais faire ma base.
Bon, bah pour l'instant ça va, on s'en sort. C'est pas la meilleure des parties, mais surtout qu'on trouve rien. Ah, ces squelettes me font peur. Hein. Ils sont loin, hein, mais ils me font peur quand même. Mais ouais, bah du coup, à mon avis, la semaine prochaine, je vais avancer. Ce sera plus 20, ce sera pas 21h, mais 20h. Le live. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un bruit bizarre. J'aime pas. Ah, c'est peut-être un zombie qui s'est transformé parce qu'il s'est noyé. On va aller nager avec le dauphin. Regardez comment je nage super vite. Ah, parfait. C'était ce dont j'avais besoin. Ok, bah on ira chercher ça. Salut toi, Isox Z2. Alors, j'ai beaucoup de monstres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu que le soleil se lève. Où est la lune? Visez. Ah, ok, d'accord. Bon, elle est pas prête de se réveiller. Est-ce que vous pensez ça se tente de tous les tuer? En fait, ce qui me fait peur, c'est le squelette là-bas. Sinon, alors, après le reste, je pense que c'est gérable. Non, vas-y, non, il y a trop de squelettes. Ils ont pas l'impression d'abuser un peu. Bon, comment faire pour éliminer trois squelettes avec seulement une hache? C'est la question. Alors je t'avouerai que je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais ça a l'air intéressant. Bon, il y a encore un autre squelette à faire partir. Non, mais non! T'arrives à... Non, mais encore des squelettes, mais c'est pas possible! Mais laissez-moi vivre! Je sais pas du tout. En fait, moi, je vois pas les faire...
Bon sang. Toi, j'ai joué à Matrix. J'esquive les flèches. Ah, pas. Bon, ok, comment et qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils sont combien tous, 1000? Ah, ça, je vais pas encore mourir. C'est bon, je commence à en avoir marre de mourir. Hein. Gargouille de nouilles. Bon, le soleil va se lever, c'est cool, il y aura enfin plus de mobs. Alors, je suis désolé, j'ai pas la ref, mais ça avait l'air marrant. Laissez-moi vivre, c'est One Piece. Ah non, bah non, désolé. Non, 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 le squelette. Non, 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 non. Laisse-moi vivre. Oh, un bébé slime. Oh, pas de slime. Dommage. Oh, une pomme en or. Oh, yeah! J'ai une épée raccommodage et une autre épée tranchant 4. C'est dommage que c'est pas sur la même épée, mais bon. Ah, c'est dommage! Il est à l'envers. Enfin, il est à l'envers, il est allongé. Bon, bah maintenant que j'ai réussi à récupérer deux épées, plutôt sympatoche. Monter dans les arbres, il pensera. Il blessera. Je suis pas sûr, peut-être qu'ils veulent bien manger du singe aussi, hein, tu sais. On va tuer de la vache. Et on tue de la vache, on tue de la vache, on tue de la vache. Les pauvres vaches, elles sont là, elles vivent leur meilleure vie, et puis moi j'arrive et je les tue. Quel jeu plein de réalisme, dis donc. Ça apprend les vrais risques de la vie, vous voyez. Ne vous fiez pas aux gens. Comme animé, qu'est-ce que je regarde? Alors, j'ai regardé SNK. Je regarde SNK qui était incroyable, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai regardé Naruto et Boruto au complet. J'ai regardé ainsi One Punch Man. One Punch Man qui est une de mes séries que j'aime beaucoup parce qu'elle est super marrante, honnêtement. Je trouve l'histoire est complètement bidon parce que c'est juste un gars qui est super fort mais trop bien. SNK, j'adore cette série parce que tout le temps ils sont en train de perdre et je trouve c'est incroyable d'avoir des héros qui sont tout le temps en train de perdre parce que d'habitude c'est tout le temps... Dans, s'il te plaît. Non, je sais pas c'est quoi. Et après là je regarde une comme animé, ça c'est Hunter x Hunter. C'est génial. Ah, DBZ? J'ai essayé hein, de regarder DBZ parce qu'il y a beaucoup de gens qui me conseillent, mais j'y arrive pas, j'accroche pas, franchement. Je sais pas, c'est. DBZ, non, j'arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça me. C'est pas mon truc. Je sais pas pourquoi. Alors pourtant, c'est comme Naruto, hein. Mais. Tokyo Revenge, ça je voudrais regarder. Je sais pas quand est-ce que je vais regarder, mais ça je vais regarder. Mais honnêtement, Hunter x Hunter, je viens de commencer. Enfin, je viens de commencer. Je suis à l'épisode 60 et je trouve cette série incroyable. J'aurais pas cru au début, j'étais pas trop chaud. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait waouh, mais c'est bien. Détective Conan. Bon, je regarderai, ouais. Bon, après, il me faut du temps, hein, c'est ça le problème généralement. Et puis le truc, c'est que si j'aime trop un animé, je vais vouloir regarder, regarder, regarder. Alors, pourquoi tu... pour faire plus de dégâts.
Ça fait un coup critique et du coup la vache elle prend plus de dégâts. T'as pas encore digéré. Pourquoi? Attends, dans le premier, qu'est-ce qui se passe déjà? Dans le premier, il n'y a que le mur qui se fait détruire. Il n'y a rien de spécial. Parce que, alors, SNK, le nombre de personnages qui meurent qui est super important, tu risques pas de le finir. Hein. La mort de sa mère. Ah ouais, t'inquiète, hein, ça c'est que le début. Le nombre de gens qui vont se faire bouffer. Tu vas même plus reculer. Ou se faire tuer, c'est. C'est insane comme on dirait. J'ai trop pleuré. Ah oui, non mais. Mais justement, c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que. Je veux dire, quand on regarde par exemple Naruto, on sait pertinemment que quasiment personne ne va mourir. Et c'est ce qui se passe, il y a quelques personnages importants qui meurent, mais. Ils sont plutôt rares. Dans SNK, tu peux pas t'attacher à un personnage parce que il risque de mourir à tout moment, tu sais pas. Tu sais pas. En fait, pour moi, SNK, j'aime beaucoup parce que tu sais pas comment ça va finir. Tu te dis, ils vont gagner, mais non, c'est très rare qu'ils gagnent. Et ça, je trouve, c'est génial. Dans cette série, c'est ce que j'aime le plus. Levi, tu peux t'inquiéter. Alors Levi, non, désolé, mais Levi, tu peux pas, parce que après dans la série il se passe des choses et ah oh c'est horrible. Autant j'aime bien spoil de certaines séries, mais alors SNK c'est surtout un truc à ne pas spoil. Oh, c'est dommage, j'ai pas d'élytra là, ça aurait été tellement stylé de sauter. Ah non, il mourra pas, mais il lui arrive des trucs quand même, et c'est vachement triste. Surtout à la fin de la série, alors je ne dirai pas ce qui se passe, hein. Mais c'est quoi ces bûches? Pourquoi il y a des bûches qui ressortent comme ça? Ouais, non, j'ai rien dit, hein. Je te dis juste, Levi, même si c'est un personnage que tout le monde adore, ils l'ont un peu tué quand même. Alors, il est pas mort, mais. De toute façon, on ne sait même pas c'est qui Levi, vu l'épisode auquel t'en es. Bonsoir, Titou en game. Mais c'est un bateau au complet. Ah non, il y a un zombie noyé là. Ah là, il veut m'attaquer! Aïe! Oh, sa mère, ça fait mal! Oui, bah de toute façon, c'est fini à 23h donc. Ah ouais. Bah t'inquiète, il va pas mourir. Mais il y a plein d'autres personnages que tu as bien aimés et bah ils vont tous mourir. Même Eren, il meurt. En plus, je crois qu'il meurt à l'épisode 2, alors. Ah bah, en vrai. Levi, de toute façon, s'ils mouraient, ils auraient tellement de jeux sur le dos, tellement de personnes sur le dos. Voilà, j'ai spoil. Eren, il meurt. Mais non, je peux pas, il y a des zombies noyés. J'ai failli mourir déjà. Je veux pas aller chercher. Pas aller risquer ma vie pour ça. Je dois pas comprendre. Mais c'est vrai?
Oui, bah il y a aussi la mort qui m'attend là-bas, alors j'ai pas trop envie d'y aller. Ah non! Et je vais remourir de dégâts de chute, hein. Un demi-cœur. Bon, à mon avis, ça sert à rien que je continue là. Je vais continuer, je vais mourir. Faut que j'arrête de faire le chimpanzé à monter dans les arbres. C'est pas une bonne technique. Ah, One Piece, par contre, j'ai déjà essayé de regarder. Ça, par contre, j'aime vraiment pas. Alors, je suis désolé hein, pour les fans de One Piece, mais. Autant des DBZ, je peux comprendre. Mais One Piece, alors, pas du tout. Ah, bah écoute, hein, tant pis. Mais je dis ce que je pense. Ah là là, bon bah il n'y a rien du tout. Ouais, bah alors je sais pas si je vais réussir à regarder la série complète. Enfin la série. Le manga complet. D'abord faut que je finisse Hunter x Hunter. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire un MLG ici. Si je fais un MLG, ça veut dire qu'il faut que je reste sur cette map et je me ferai une base dans cette grotte. Si je meurs, bah c'est que cette map elle est maudite et qu'il faut pas que je joue ici. Et qu'en fait c'est pas la cinquième partie elle est toujours la bonne, c'est la sixième. Ah. Ah bah voilà, bon bah il va falloir que je fasse ma base ici. Honnêtement je pensais que j'allais mourir. Ouais, ça va, hein, je suis pas si vieux que ça, je pense je mourrai dans un moment quand même. Bon ben voilà, c'est la fin du live. C'est terminé. Il fallait bien finir d'une certaine manière. Bon ben voilà, le jeu a décidé pour moi. Alors là, c'était vraiment pas fait exprès. Hein. À la base, oui, c'est vrai, je voulais un peu mourir parce que j'en avais marre d'avoir un demi-cœur. Mais là j'avais une idée de base, mais bah, faut croire que le jeu ne. Et à partir du moment où je suis content, il ne veut pas que je continue. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bon, si tu le dis. En tout cas, j'espère que ça vous plaise, a plu. J'espère que le live vous a apprécié. Et du coup, bah, on se dira à la semaine prochaine. À mon avis, je vais modifier les horaires. Du coup, je vais faire 20h-22h. Ce sera beaucoup plus simple. Et sur ce, je vous dis bon appétit, bonne journée, bonne soirée, lavez-vous bien et à la semaine prochaine.